Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo back to school. C'est des vidéos que j'adore tourner, je suis un petit peu en retard mais là en fait je vais vous montrer des idées de tenues pour aller en cours, donc dans le fond je suis pas vraiment en retard. Vous avez été hyper nombreux à me demander sur Instagram de vous tourner cette vidéo, du coup je vous ai sélectionné 10 tenues toutes un petit peu différentes, comme ça il y en aura forcément une que vous allez aimer. D'ailleurs dites moi en commentaire votre préférée. Ça y est, je suis de retour avec des vidéos comme avant, un petit peu diverses et variées et pas uniquement des try on off. J'ai retrouvé la motivation donc je suis hyper contente. Je vais essayer de faire des montages plus qualitatifs qu'avant. Du coup c'est parti, on va passer aux tenues, et si jamais vous voulez plus de vidéos mode comme ceci avec des idées de tenues, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Du coup c'est parti, je vais vous montrer pièce par pièce la tenue que je vais assembler, et après vous aurez les try-on où vous verrez la tenue en intégralité, parce que là du coup vous voyez pas mon corps en entier, mais sinon je suis trop loin. Donc pour cette première tenue j'ai sélectionné un pantalon blanc comme ceci de chez Zara. Je vais essayer de vous mettre tous les liens en barre d'infos des tenues si je les trouve. Donc je trouve que ça fait très classe pour aller en cours. Et comme haut, je vais mettre une chemise de chez Shein qui est comme ceci, motif zébré. Je trouve que ça ira très bien avec le pantalon et je pense que je vais la rentrer dans le pantalon. Je vous retrouve une fois que j'ai mis tout ça et après on fait la suite. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Hop, je viens de faire une tache. Je sais pas comment j'ai fait un trait noir comme de mascara alors qu'il est sec, donc je sais pas. Donc voilà, je l'ai rentré à l'intérieur. Comme chaussure, j'ai sélectionné des petites bottines About You comme ceci. Je trouve que ça ira bien avec. Donc voilà, je les ai mises. J'ai pris quelques centimètres là, trop bien. Ensuite, je vais mettre une petite montre. Donc moi, c'est une Daniel Wellington qui est noire comme ceci. Je trouve que ça rappellera la chemise et ça va faire trop joli. Pour ce look, je vais mettre des boucles d'oreilles Lovisa. Lovisa, je sais pas comment ça se dit. Elles sont comme ceci. Si jamais vous en avez un petit peu dans le même style. Je les adore ces boucles d'oreilles. Je trouve qu'elles rendent vraiment trop bien. Je vais mettre un collier Shein comme ceci. C'est un collier à perles. Voilà, du coup on est bon niveau première tenue. C'est une tenue qui est assez simple mais qui reste classe. Vous allez voir dans le try-on la tenue entière. Et pour ce qui est du sac, moi je vais plus en cours donc je n'ai plus de sac de cours que je peux vous montrer avec. Mais à vous du coup d'associer votre sac de cours que vous utilisez à vos tenues. Je sais que vous avez envie de voir la tenue en entière donc je vous laisse regarder. Pour la deuxième tenue, on part sur un pantalon simili-cuir de chez Zara qui est couleur marron. Un petit top comme ceci de chez Shein qui d'ailleurs est en solde. Bon, petit aparté, vous avez toujours mon code promo Shein qui est 5 Manon en minuscule qui vous enlève moins 15% sur tout le site. Donc si ça peut vous faire des réductions en plus. Donc là, vous avez le petit top un petit peu blazer chemise court comme ceci, je sais pas vraiment comment le caractériser. Et j'ai mis un petit top blanc en dessous parce que c'est quand même décolleté. Donc voilà l'assemblage de ces deux pièces. Pour casser un petit peu le style chic, je vais mettre des baskets comme ceci. Donc celles-ci je les avais prises sur NAKD, mais je les trouve plus parce que ça fait 3 ans il me semble. Mais il y a d'autres modèles qui y ressemblent si jamais ça vous intéresse. C'est good, j'ai mis les baskets, on voit pas. Et on va passer maintenant aux bijoux. Donc premièrement je vais mettre ma montre Michael Kors comme ceci. Je la trouve vraiment trop trop jolie, je l'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière et je l'aime trop. Je vais mettre également un collier Pure LA comme ceci. De toute façon vous aurez tous les liens si je les trouve de tout ce que je mets pour mes tenues. Et du coup je vais mettre des petites boucles d'oreilles créoles comme ceci de chez Pretty Little Things. Je pense que ça pourrait faire joli avec la tenue. Du coup voilà comment ça donne et c'est parti pour le try-on. Troisième tenue, donc cette fois-ci j'ai mis une robe, donc c'est une robe Shein comme ceci, hop, elle n'est pas trop courte donc pour les cours ça peut être bien, au moins personne ne vous embêtera. Même si de base on devrait pouvoir s'habiller comme on veut pour aller en cours, je sais qu'il y a des collèges, des lycées qui sont un petit peu stricts là-dessus, donc voilà, celle-ci moi je la trouve bien. J'ai mis une petite épingle à nourrice juste ici pour que ce soit moins décolleté. J'ai décidé de mettre avec des petites converses à plateforme comme ceci. C'est vraiment des chaussures que j'adore mettre. Ensuite, je vais mettre une montre blanche comme ceci. Donc c'est une Daniel Wellington, moi. Et vous mettez en fonction de celle que vous avez. Je trouve que ça peut faire trop joli une montre blanche avec cette tenue. Ensuite, je vais mettre un collier Pure LA comme ceci. Et des créoles. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un chignon bas. Je pense que ça peut faire très joli avec l'assemblage du chignon bas, des créoles et de la petite robe. Donc c'est parti, je vais mettre tout ça. Donc premièrement, les créoles. C'est des Lovisa. Comme au début, pas cher du tout, voilà. Et le collier, je l'adore celui-ci, je le mets quasiment tous les jours. On est bon pour le collier et du coup je vais faire le petit chignon bas, donc je vais me laisser deux petites mèches devant.
Bon là de base c'est pas censé être une vidéo coiffure back to school, mais si jamais vous en voulez n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais c'est pour vous montrer qu'avec cette tenue, un petit chignon bas, s'il est bien fait, ça pourrait faire très joli. Alors on passe à la tenue 4. Donc j'ai mis un short comme ceci que je viens d'acheter chez Zara, que j'adore. Il est vraiment trop joli, par contre il est encore mouillé parce qu'il sort de la machine, mais je voulais absolument vous tourner cette tenue. La veste que je vais vous mettre et le short là, c'est mouillé sur moi, mais c'est pas grave. Donc voilà, je le trouve vraiment trop beau, je l'ai pris en taille XS, il n'y a pas de trou à la taille, donc c'est parfait. Et ensuite j'ai mis une chemise que je viens également d'acheter sur Zara, je la trouve trop belle. En fait elle est courte comme ça et nouée, il y a une sorte d'élastique. Je la trouve vraiment trop jolie, peut-être un tout petit peu trop décolletée, donc si jamais je ferai un point, ça peut faire une tenue vraiment trop jolie quand par exemple on est étudiante. Donc ça par contre bah, va falloir l'accessoiriser, mettre une veste, etc. Je pense que ça va être une de mes tenues préférées. Des bottes comme ceci, donc c'est des bottes About You, il me semble, elles sont toutes fourrées à l'intérieur, donc elles sont vraiment trop belles. Et hyper confortable, qui s'arrête en dessous du genou. C'était déjà tendance l'année dernière et là ça l'est encore cette année. Je vais remettre le collier Pure Lay que j'avais dans la tenue juste avant, parce que comme je vous ai dit je l'aime trop. En fait je le trouve simple mais je trouve qu'il rajoute un truc à la tenue, donc je l'aime beaucoup. Du coup je vais mettre une montre noire, là c'est la Daniel Wellington que j'ai mise tout à l'heure. Et j'ai envie de mettre des grosses boucles d'oreilles, donc elles viennent de chez Shein. Si vous voyez que dehors il fait trop froid et qu'en short vous allez avoir froid, n'hésitez pas à mettre un collant, donc soit un collant noir, soit un collant cher, comme vous le souhaitez. Voilà, et du coup la veste qui va avec le short, je la trouve trop jolie, je suis fan de cet ensemble. Elle est un peu mouillée, je vais essayer de la garder pas trop longtemps, mais pour vous montrer la tenue avec la veste, je vous laisse regarder la tenue intégrale. Prochaine tenue, donc j'ai gardé la même chemise qu'avant, sauf qu'en fait j'ai mis un pantalon Zara comme ceci, classe beige. Vous allez voir dans le try-on, ça fait trop joli, il est grave resserré à la taille, donc j'adore. Je trouve que pour aller en cours ça fait hyper classe, en plus le beige c'est une couleur que j'adore vraiment. Franchement je trouve ça vraiment hyper cool d'avoir une montre blanche, une montre noire et une montre argentée dorée, comme ça on en a toujours une qui va avec la tenue. De base j'avais prévu de mettre des Converse blanches, mais je me suis rendu compte que ça faisait pas joli avec le pantalon, donc je pars plutôt sur une paire de bottines noires. Pour ce qui est des bijoux, je vais mettre un tout fin, en fait c'est un petit collier Pure Lay comme ceci, donc côté chaîne et un côté strass, et en fait il y a l'initiale de mon copain. Je trouve que ça va faire beau avec le décolleté. Là c'est une paire comme ceci, donc en fait elles sont différentes, donc je vais mettre celle-ci. Donc là déjà j'aime beaucoup la tenue, de base j'avais décider de la laisser comme ça, mais je me dis que si jamais vous avez un petit peu froid en chemisier, vu que le matin il fait un peu frais, on peut rajouter une veste en simili cuir comme ceci. Donc moi c'est une de chez Pretty Little Thing, comme ça ça rappellera les petites bottines. Et donc quand vous allez l'attacher, vous laissez un petit peu ouvert pour qu'on voit apparaître la tenue. C'est parti, le try-on. Ensuite on part sur la sixième tenue, donc elle sera un petit peu crop top, mais pas énormément parce que j'ai mis un pantalon taille haute de chez Zara qui est large au bout, fendu, je pense que vous voyez lequel je parle. Mais quand vous allez voir la tenue en entière, je pense que vous allez vous dire ah oui c'est vrai c'est lui. Ensuite j'ai mis une sorte de chemise comme ceci de chez Boohoo qui en fait s'attache et on fait un nœud derrière, donc je trouve ça hyper joli. Donc voilà, on voit un petit peu le ventre, mais je trouve que ça va. Je pense vraiment pas que le lycée ou autre va vous interdire de porter une tenue comme ça, donc une montre Daniel Wellington noire. Pour ce qui est des chaussures, de base j'avais prévu des Converse blanches parce que ben, j'en avais pas des noires, mais je trouvais que ça faisait pas joli avec la tenue. Du coup j'ai mis mes petites bottines About You, je les mets vraiment souvent, en fait je les trouve hyper jolies et elles passent partout, elles font hyper classe. Et en plus étant donné que de base ce pantalon me va trop long, que je marche dessus, là avec les talons c'est nickel. Donc voilà, après à vous de voir si vous préférez porter cette tenue avec des baskets. Je voulais quand même faire une tenue avec un jean parce que je sais que vous êtes beaucoup à porter des jeans. Donc je vais mettre ce collier-ci de chez Pure Lay, je vous l'ai pas encore montré. Voilà, comme ça il va un tout petit peu descendre. Et comme boucle d'oreille, je vais mettre du coup ces créoles Lovisa, Lovisa. Donc voilà une idée de tenue avec un jean. Alors moi personnellement, je mets quasiment jamais de jean parce que je trouve que c'est pas confortable. La dernière fois j'étais à l'arrêt de bus, j'ai vu que beaucoup de lycéennes portaient des jeans. Je me suis dit, il faut quand même que je vous en montre une et je vous la montre en entière. Tenue numéro
numéro 7. Alors celle-ci, elle va être un petit peu risquée, je vous explique. Donc là, j'ai mis une robe bouhou, matière un petit peu épaisse pour l'hiver. Donc elle est blanche comme ceci. J'ai mis aussi des converses blanches avec, vous verrez après. Et en fait, je me suis dit, je voulais faire un total look blanc. Donc je vais mettre ma montre Daniel Wellington blanche. Et je voulais en fait mettre un bandana parce que c'est la mode en ce moment. Quand j'étais au lycée, en études ou autre, c'était pas la mode. Donc je sais pas s'ils vous interdisent de porter ça en cours ou non. Donc à vous de juger. Mais moi je vais le mettre dans la tenue parce que je trouve que ça fait trop joli. Donc comme ça je vais le placer où je vais vous montrer. Donc à vous de me dire en commentaire si vous l'interdisent ou non. Moi c'était un petit lot de chez Stradivarius. Vous le mettez comme ceci. Donc vous le repliez sur lui-même pour que ça fasse un triangle. Vous le placez sur vos cheveux et derrière, vous faites un nœud. Hop. Bon, je l'ai mal mis en vidéo, mais vous comprenez un petit peu le délire. Donc voilà, moi je trouve que ça fait hyper joli, mais dites-moi s'ils acceptent que vous portez ça. Je vais mettre mon collier Purelay que j'adore. Et je vais pas mettre de boucle d'oreille parce que je trouve que le bandeau, ça suffit. Et la montre, j'ai oublié. Allez, je vais vous montrer la tenue. Alors tenue numéro 8, j'ai mis un pantalon simili cuir de chez Zara couleur noire, un petit top basique que vous pouvez trouver un petit peu n'importe où, et je vais mettre une blouse que je viens d'acheter chez Zara qui est comme ceci. Bon là ça rend bien mais elle est un petit peu transparente, c'est pour ça que j'ai mis un top noir en dessous. Donc juste avant on avait un total look blanc et là on va partir sur un total look noir. Vous verrez mieux dans le try-on parce que par exemple là il y a un petit détail que vous ne voyez pas en vidéo. Je vais garder du coup le collier Purelay. Je vais mettre mes petites bottines About You. Ce que j'aime bien en fait c'est que c'est des bottines passe-partout et je suis sûre, quasiment sûre que vous en avez une paire chez vous de petites bottines simples comme ça ou vous allez en trouver dans n'importe quel magasin. C'est indémodable les petites bottines comme ceci. Pour un total look noir du coup, la petite montre noire. Et il nous reste du coup des boucles d'oreilles à mettre. Et oui c'est vrai, du coup j'ai oublié de mettre des bagues dans chaque tenue. Bon à vous de d'accessoiriser avec les bagues que vous souhaitez. Du coup c'est pas grave pour les bagues. Donc voilà, des grosses boucles d'oreilles comme ceci étant donné que... Voilà, j'ai mis quand même un collier assez fin donc je peux me permettre de mettre des grosses boucles d'oreilles. Donc je vais vous montrer la tenue en entière. Neuvième tenue, encore une tenue totalement différente. Donc je pars sur un simili cuir beige de chez Zara. Je pense que vous avez compris que j'adore les simili cuir. Un crop top comme ceci de chez Shein qui a un petit peu en effet matière épaisse. Hop, et en fait je vais casser le beige avec un blazer rose. Je vais mettre mes chaussures Nike pour rappeler le détail du beige. Donc voilà, ensuite je vais mettre ma petite montre Michael Kors, des créoles Pretty Little Things. Et du coup pas de collier, donc je vais vous montrer la tenue. Dixième et dernière tenue. Alors désolée si je suis un petit peu bizarre dans mon attitude dans cette fin de vidéo, mais en fait je viens de, je crois, faire une crise d'hypoglycémie ou quelque chose qui en ressemblait. Genre j'ai dû vite aller prendre du sucre et tout, je tremblais, j'avais chaud, j'avais des bouffées de chaleur. Peut-être le fait de enlever et remettre les tenues, donc je sais pas. Là du coup j'ai fait une pause de environ 5-10 minutes, donc ça devrait aller mieux. Mais du coup on reprend. Donc j'ai pris une robe de chez Shein comme ça, en léopard, un peu large, bout longue, donc il y a... Enfin, au-dessus du genou, donc c'est très bien. Donc normalement la vie scolaire ou les CPE ne devraient rien dire. Ensuite j'ai pris des bottes comme ça de chez Pretty Little Things pour changer un petit peu. Donc pareil, vous pouvez le mettre avec un collant si vous le souhaitez. Je vais mettre une montre noire. Wow, je recommence à me sentir mal. Donc ça, désolé vraiment. Mon collier favori de chez Purelay et les créoles Lovisa. Hop, et alors je trouve que laisser cette tenue comme ça va faire trop simple. Donc je vais rajouter ma veste en simili cuir que je vous ai montré tout à l'heure de chez Pretty Little Things. Et la tenue sera nickel. Donc c'est de celle-ci que je vous parlais. Donc voilà, soit vous la portez attachée, soit sans la ceinture. Je vais vous montrer la tenue portée. Donc voilà 10 tenues pour aller en cours. J'espère que vous en avez aimé au moins une. Dites-moi quelle est votre tenue préférée. Je vous répondrai, je réponds à tous les commentaires. Si jamais vous aimez bien un petit peu mon style, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je vous montre
plein d'idées de tenues. Quand je vais faire du shopping, je vous mets toutes les références de ce que j'achète. Et en ce moment, j'adore mon feed parce qu'étant donné que je suis partie en voyage, j'ai fait un feed un petit peu dans le mood du voyage et je le trouve trop trop beau. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. En plus, on est bientôt 80 000. Si jamais vous revoulez une vidéo dans ce style avec d'autres tenues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bisous.